qui endeuille notre pays. Dans cette synthèse du RT L'Info 13h, nous revenons point par point sur tous les événements gravissimes, mais avant toute chose, un document exclusif. Des images tournées dans l'aéroport de Bruxelles juste après la double explosion. Des images tournées par un voyageur, Stéphane Koenig. Il est sain et sauf, il n'a pas réflexe, et pour témoigner de cette dramatique réalité, filmée. Toutes premières images de ce chaos, des images dures, prenez garde, elles peuvent bien sûr heurter les sensibilités, mais elles sont un témoignage de première main sur cet attentat suicide. Des images commentées par Mathieu Coll. Des cris au milieu de nulle part, des corps allongés, une poussée de vide. Quelques instants après les deux explosions, un homme enclenche la caméra de son téléphone portable. Un couple et un enfant à terre, en vie. Mais 2 mètres plus loin, les deux corps sont inanimés. Quelques instants plus tard, la mère et son fils sont assis, figés. Il est temps de bouger, se diriger vers la sortie. Il y a des débris partout. Un militaire porte secours à un blessé. Il est aidé apparemment par des civils. Un peu plus loin, un militaire debout, en patrouille. Et puis, des passagers et des employés de l'aéroport ou des compagnies aériennes qui fuient vers la lumière, dans un certain calme. Dehors, une image. La façade de l'aéroport est déchiquetée. Ces images font froid dans le dos et témoignent des scènes d'horreur vécues par des centaines de passagers de l'aéroport. Le bilan humain y est lourd, 13 morts, des dizaines de blessés, 80 selon les dernières informations. Les dégâts matériels sont également immenses, le minute par minute des événements tragiques à l'aéroport avec Emmanuel Dupont. Une partie du plafond du hall d'entrée vient d'être soufflée par l'explosion. Au sol, au milieu des décombres, on devine des corps. Des blessés sous une fumée qui s'échappe encore du toit de l'aéroport, tandis que des centaines de passagers prennent la fuite. Les vitres de la façade ont volé en éclats. Il est un peu plus de 8 heures ce matin, lorsque 2 déflagrations se produisent à quelques minutes d'intervalle dans le hall d'entrée de l'aéroport, au comptoir 3 et 4. À un moment donné, on a entendu une explosion à notre gauche. On a vu le mur se fissurer et du grabat tomber. Ensuite, il y a eu un moment de silence, même pas 30 secondes après. Il y a eu un deuxième. On s'est retourné pour courir, il y a une deuxième qui a explosé. Et puis, on a vu des vitres voler, il y avait de la fumée. On a senti un souffle vers nous. Donc, ça s'est passé à 25 mètres, 50 mètres de nous. Et puis, on a vu passer plein de gens, enfin, plein de gens couraient. J'ai entendu « Allahu Akbar ». Et puis, Et j'ai entendu un homme qui criait juste derrière l'agence Belfus. Il a parlé dans une langue arabe. Et après, dès qu'il a fini de parler dans une langue arabe, j'ai vu une détonation, mais énorme. À 7 heures, il y a du monde devant les comptoirs d'enregistrement ou dans les halls d'embarquement aux étages supérieurs où les passagers sont invités à sortir sur ces images visiblement dans le calme. Pas question de monter à bord des avions cloués au sol. Sur le tarmac, la tension monte. Our first thing is get people off tarmac and go to a secure area. So please line up and take the buses, please. Un agent de sécurité dirige les passagers vers des autobus pour les emmener à l'abri. À l'intérieur, l'évacuation se fait par certaines issues inappropriées, parfois dans la confusion. Journalists from Sky News. La police établit un périmètre de sécurité, tandis que des dizaines d'ambulances sont déjà présentes sur les lieux. L'aéroport se vide progressivement pour être totalement fermé. En direct de l'aéroport de Bruxelles, on fait un premier point avec vous, Frédéric Delfosse. Plus de 5 heures après l'attentat, que se passe-t-il en ce moment même ? Eh bien, les quelques milliers de passagers qui se trouvaient à l'aéroport ont été progressivement évacués. 1 millier de personnes ont été notamment réfugiées dans un centre d'accueil, d'autres dans les hôtels autour de l'aéroport. Et puis, quant à l'activité sur l'aéroport, je vous propose tout de suite de regarder l'activité sur ces pistes. Elle est quasi nulle. Les avions que vous voyez ici à l'image, eh bien, ils n'ont pas bougé. Il n'y a quasi aucune activité sur la zone aéroportuaire. C'est vraiment le calme plat depuis que nous sommes arrivés ici peu avant 9 heures ce matin. Il y a quelques
quelques secondes seulement, deux hélicoptères de la police fédérale survolaient la zone. Et ce sont les seuls mouvements aériens que nous avons pu observer tout au cours de la matinée. Des hélicoptères de la police, des hélicoptères militaires. Ce sont les seuls mouvements car la zone a complètement été interrompue pour tout le trafic aérien. L'espace aérien au-dessus de la capitale a été fermé. Il faudra bien sûr que tous les avions qui arrivent en Belgique ont été déviés sur d'autres zones, les aéroports d'Anvers, de Ostende, de Liège et de Charleroi. Mais il faut savoir surtout que jusqu'à présent, le balai des ambulances qui circulaient autour de la zone a commencé à diminuer jusqu'à 1h30 à peu près. Ces ambulances tournoyaient sans cesse autour de l'aéroport, que ce soit sur les axes routiers ou sur tous les axes qui entouraient l'aéroport. Mais c'est vrai que la zone est vraiment pour l'instant bloquée. Il n'y a aucune circulation autour de l'aéroport en ce moment. Frédéric, la consigne est donc de ne pas rejoindre cet aéroport de Bruxelles. Il est donc fermé. Sait-on jusque quand ? Il y a une cellule de crise en ce moment à Bruxelles Airport avec Belgocontrol qui est réunie. Cette cellule doit évaluer la situation. Pour l'instant, aucune nouvelle jusqu'à la fermeture, jusqu'à le moment de cette fermeture de l'aéroport. Les communications suivront dans l'après-midi. Les autorités sont en train d'évaluer la situation. Lorsqu'on voit les dégâts qui ont été causés par l'explosion à la façade de l'aéroport, on peut se douter qu'il faudra du temps pour pouvoir ne fût-ce que permettre l'accès à des passagers et aux personnel qui doit travailler ici. L'ensemble de la zone cargo, d'ailleurs, est particulièrement calme depuis les attentats de ce matin. Merci à vous, Frédéric Delfos. Vous restez bien sûr sur place à l'aéroport de Bruxelles pour RTL. Les voyageurs qui ont vécu ces scènes d'horreur sont évidemment sous le choc, très marqués par ces visions d'horreur, panique également pour tous ceux qui devaient prendre un vol non loin de là. Le chaos était total ce matin aux abords de cet aéroport. Voyez le reportage et les témoignages recueillis par Fanny Dehaye et Arnaud Rubens. Une première déflagration, puis une deuxième quelques minutes plus tard. Dans l'aéroport de Bruxelles ce matin, c'est la panique. Un coup de feu, après il y a un monsieur qui a parlé en langue arabe. Après j'ai entendu bam, une explosion mais énorme. Après, maintenant les gens couraient vers l'ascenseur, les autres qui ont pris les escalators. Il y a deux vieux qui sont venus vers moi, je les ai sauvés, je les ai mis dans l'ascenseur, mais ils ne voulaient pas me lâcher. Ils voulaient que je les accompagne jusqu'en bas, mais je ne pouvais pas, il y avait trop de monde. Et je me suis dit, je vais essayer de sauver d'autres aussi. Cette femme partait pour Dubaï, elle a d'abord cru à un pétard avant de se confronter à la réalité. La première bombe a explosé à 10 mètres derrière nous. On s'est retourné, on n'a pas compris ce que c'était. On a vu les débris partout, le faux plafond qui était tombé, des gens au sol, des blessés. On s'est retourné, on a pris direction à la sortie. Et là, la deuxième bombe a explosé dans le grand couloir à notre droite. Et là, c'était la cohue. Tout le monde courait vers la sortie. Les gens se marchaient dessus. Il y avait des gens qui s'allongeaient au sol parce qu'ils pensaient que c'était des gens qui nous tiraient dessus. Premier réflexe pour les passagers, fuir. Fuir pour sauver sa vie et celle de ses enfants. À 150 mètres de nous, il y a eu la première explosion. Au début, on a pensé que c'était un pétard ou quoi. Et ensuite, j'ai entendu la deuxième, j'ai attrapé ma fille et j'ai couru. J'ai vu des enfants par terre, pleins de sang, mais je n'ai pas su les ramasser. J'ai pensé qu'à me sauver ma fille. On a vu un grand éclair et puis beaucoup de fumée. Voilà. On s'est réfugié dans des réserves d'un magasin de livres, dans une librairie. Le hall des sports de Zaventem a été mis à disposition des passagers. Les blessés légers ont été évacués par bus. Quant aux autres, les ambulances ont retenti jusque tard dans la matinée. Nous retrouvons maintenant Nathanaël Poli, également en direct de l'aéroport et du périmètre de sécurité installé aux alentours. Nathanaël, est-ce que les secours sont toujours sur place à l'heure qu'il est ? Oui Michel, les secours sont toujours sur place, une ambulance. Et oui Chantal, la Belgique est en effet en deuil avec ce bilan des victimes qui ne cesse d'évoluer, un bilan à métro conditionnel et qui est révélé par nos confrères de Utlatst News, fait état désormais de 34 morts lors de ces différents attentats, tant à l'aéroport de Bruxelles que dans la station de métro Malbec. Ces attentats de Bruxelles sèment l'effroi dans le monde entier. C'est une attaque contre l'Europe démocratique, affirme le Premier ministre suédois. Nous sommes en guerre, répète le Premier ministre français Manuel Valls.
Suède, France, Grande-Bretagne, Allemagne. Tous les pays de l'Europe envoient leur réaction indignée et expriment leur sympathie au peuple belge. Sébastien Prophète. Réunion d'urgence ce matin à l'Élysée. Très vite, le Premier ministre français exprime sa solidarité et répète une nouvelle fois que nous sommes en guerre. Suite aux événements bruxellois, le président et son gouvernement mobilisent 1600 policiers et gendarmes supplémentaires dans les lieux sensibles du pays. Je tiens ici à exprimer ma solidarité, mon amitié à l'égard du peuple belge, des autorités belges qui sont dans l'épreuve, et dire aux familles qui sont concernées toutes les pensées qui nous animent. La France et la Belgique sont liées par l'horreur que nous venons une fois encore de partager. Sur les réseaux sociaux, les drapeaux belges et français se réconfortent. Au fil de la matinée, se multiplient les messages de soutien venus de l'étranger. Le porte-parole de la chancelière allemande évoque des attaques méprisables qui vont rapprocher les populations. Le Premier ministre britannique David Cameron se dit choqué et préoccupé par les événements à Bruxelles et promet de faire tout ce qu'il peut pour aider la Belgique. Réaction aussi de la chef de la diplomatie européenne en voyage en Jordanie. C'est un jour très triste pour l'Europe, alors que l'Europe et sa capitale souffrent en ce moment de la même douleur que celle que connaît la région du Moyen-Orient au quotidien. Ce soir à Paris, par solidarité, la Tour Eiffel sera illuminée aux couleurs de la Belgique. Parmi les premières réactions en provenance des États-Unis, celle du candidat républicain à la présidence Donald Trump, qui écrit « Est-ce que vous vous souvenez comme Bruxelles était un bel endroit sécurisé ? Ce n'est plus le cas, Bruxelles est d'un autre monde. Les États-Unis doivent être vigilants et intelligents. » La Belgique est donc frappée de plein fouet par le terrorisme en ce mardi noir. Claude Moniquet, vous êtes un spécialiste des questions. Pour voir si ce match sera disputé, à noter aussi parmi les victimes, les blessés, l'ancien international de basket Sébastien Belin, qui a tué, on a vu une photo sur Twitter, il a été touché dans ces attentats. Hommage aussi à Paris, avec notamment la Tour Eiffel qui sera illuminée aux couleurs belges, noir, jaune, rouge ce soir. Et d'ailleurs, le maire de Paris appelle d'ailleurs tous les Français à se rassembler devant l'hôtel de ville à Paris pour un rassemblement en solidarité avec les victimes bruxelloises. Pour être précis, Serge, revenons un instant sur l'actualité des Diables Rouges. L'entraînement des Diables Rouges a, semble-t-il, été annulé. On demande aux supporters de ne pas faire le déplacement. C'est exact. Ils doivent s'entraîner cet après-midi. D'ailleurs, les Diables logent à quelques centaines de mètres de l'aéroport. Beaucoup de Diables sont revenus. Il y a eu énormément de messages de solidarité de la part de nos internationaux. Mais pour l'instant, il y a une interrogation sur le fait de jouer ou non ce match. En tous les cas, l'entraînement de cet après-midi est annulé. Voilà pour ces toutes dernières informations. Merci à vous, Serge Vermeeren. Merci, Pierre de Broqueville, pour votre témoignage. Merci, Dominique Demoulin. Et sur Internet, depuis ce matin, les hommages se multiplient. Chacun a envie de rendre hommage aux victimes de ces attaques via les réseaux sociaux. Très vite, des dessins sont apparus sur Twitter, notamment beaucoup de drapeaux belges, beaucoup de larmes sur ces illustrations, mais aussi des symboles forts de la Belgique. Tintin, Manneken Pis ou encore l'Atomium pleurent les nombreux morts et blessés qu'ont fait ces dramatiques attentats. L'info continue sur RTL, information bien sûr en continu sur RTL TVI, Bell RTL, rtlinfo.be pour vous informer de façon complète sur ces événements d'une violence inouïe, événements sans précédent par leur ampleur dans notre pays. Restez avec nous, Luc Gilson prend tout de suite le relais de l'information. Ok, ça marche. RTL Info continue en radio, sur Internet et sur les applications mobiles. Au complice de Salab Desla.